écrire un livre, la première chose, c'est d'abord de mettre les idées sur papier, mais jamais scolairement. C'est-à-dire, on prend une grande feuille de papier et on met toutes les idées qui nous viennent un petit peu partout dans la feuille. Après ça, on peut faire des bulles et rassembler les idées, construire comme ça. Mais ce qui est vraiment le plus important, c'est de ne pas faire une écriture rectiligne comme ça, comme on fait à l'école. Parce que sinon, on est piégé après, on n'arrive pas à sortir de là. Donc, il faut d'abord arriver à se libérer des freins. Et donc, voilà, les idées un petit peu éparpillées. Après, on peut déjà collecter, trouver son thème, la thématique, et collecter de l'information. Collecter beaucoup d'informations sur, en tout cas, c'est comme ça que moi je fais, trouver des informations sur le sujet, nourrir. Moi, j'ouvre des dossiers sur mon ordinateur ou bien papier, des dossiers dans lesquels, au fur et à mesure, je grappille des trucs. Ah, ça va là. Ou alors, j'ai une idée, je la mets dans tel dossier, dans tel dossier. Donc, une dizaine de dossiers comme ça. Qui reviennent sur les bulles, en fait, qu'on avait mis sur la grande feuille. Et puis, après ça, une fois qu'on a donc la matière, il s'agit d'arrêter de rester centré sur soi. Voilà, qu'est-ce que je veux dire? Ça y est, maintenant je l'ai mis, tout ce que je veux dire, tout ce que je sais, ok. Maintenant, mon lecteur. Donc, je m'intéresse au lecteur. Où est-ce qu'il en est? Est-ce que... Voilà, je veux le mener. En fait, un livre, c'est utile si ça apporte quelque chose. Donc, qu'est-ce que je veux lui apporter? À la fin de mon livre, je veux qu'il sente quoi à l'intérieur de lui? Est-ce que je veux qu'il sente de l'émerveillement? Est-ce que je veux qu'il sente de la connaissance, de la sécurité? Voilà, qu'est-ce que je veux que la personne ressente à la fin, quand il a fermé le bouquin, il se sent comment? Et une fois que je suis là, ok, je me dis, ok, ben maintenant, d'où est-ce que ça part? Où est-ce que la personne en est, mon lecteur? Donc, je prends le minimum, en fait. J'imagine toujours que les gens ne savent rien sur mon sujet. Parce que c'est important que le lecteur se sente confortable et donc qu'il n'ait pas l'impression qu'il devrait savoir des choses que sinon il ne saurait pas. Et donc, on prend le lecteur au tout début. S'il est complètement ignorant du sujet, ben voilà, je le prends là. Et du coup, je construis mon livre avec les étapes qu'il me faut pour aller de... je ne sais rien du tout, à ce sentiment qu'on a identifié. D'accord. Et voilà, une fois qu'on a construit ça, eh ben on se met à écrire. Et puis après, on remanie. Et surtout, on ne met pas un titre en premier, parce que le titre, c'est ce qui vient en dernier. Et l'introduction, c'est ce qu'on fait en dernier. Parce qu'en général, tout le livre se remanie, parce qu'un livre, c'est vivant.